Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a fait le club. C'était pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Les fans du Bayern ont l'air en forme et ça tombe bien. Die Roten, les rouges, vont avoir besoin d'eux. On est bavard, on en a même manqué le coup d'envoi. Je reviens sur l'action précédente, cette attaque dans l'axe. C'est souvent par là qu'ils essaient de passer depuis quelques semaines. Alors Darren, vous pouvez nous dire un mot sur les adversaires du jour? C'est peut-être le style de jeu que je préfère, où on construit patiemment. Il y va! Isco. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. De là où il est placé, il peut frapper directement. Peut-être la première occasion du match sur ce coup de pied arrêté. Sané ! Sanctuaire ! Quel but sanctuaire ! Quel but extraordinaire ! C'est tout simplement incroyable ! Magic ! Oh, c'était parfait ! Le gardien ne pouvait rien là-dessus ! Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Il ne s'attendait certainement pas à une entame de match aussi compliquée. Il allonge le jeu. Oh, l'occasion ! À côté. Toni Kroos. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Bon ballon. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Pas assez précise, cette passe. Casemiro. Un seul but d'écart pour l'instant, mais ça suffit à leur bonheur. Ça fait donc 1-0. Isco, qui cherche à construire. Oh, ce jeu de passes, quel régal. Quel jaillissement. Quelle séquence de passes. Collectivement, c'est parfait. Le drapeau s'est levé, hors jeu. Sané. Tolisso. Bien servi. Sergio Ramos. Müller. Jolie technique pour se créer l'occasion, mais la fin de l'action n'est pas à la hauteur du début. Il est à distance de tir. Müller, centre à ras de terre. Isco. Un long ballon vers l'avant. L'arbitre signale une faute. Dans la profondeur. Ballon profondeur vers Benzema. La passe dans la profondeur. Attention, couchement dangereux à suivre. Ça, c'est du sacrifice. Ils étaient en très mauvaise posture, il fallait intervenir. Malheureusement, c'est le genre de choses qui arrivent dans une telle situation. Il est bien placé, ce coup franc. Il pourrait la tenter directement. Ah.
Et bien, dis donc, c'était chaud. Ah, il avait laissé l'avantage, mais il a mis un carton quand même pour la faute précédente. Il joue en profondeur. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Ça n'a pas pu aller plus loin. Isco. La passe est précise. Il décide d'allonger le jeu. Kimmich. Et ce ballon vers ses attaquants. Le bon ballon. Oh, attention. Toni Kroos. Oh, le bon ballon. Alaba, qui se montre intraitable dans ce match. Toni Kroos, s'il le trouve. Occasion peut-être pour Benzema. Oh, très bon ballon. Et cette tête. Et pourtant, il avait été parfaitement servi. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. C'est joué long. Salé. Il remporte son duel. Müller, c'est intercepté, ça aurait pu faire mal. C'est déjà la pause, j'ai pas vu le temps passer désormais. Les entraîneurs rentrent en action. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi. Le jeu est fluide, les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. Le score donc 1-0, on espère encore plus de jeux, de spectacles au cours des 45 prochaines minutes. Allez, on est reparti. Un seul but d'écart, mais ça suit. Non, il n'a pas joué le ballon là. Pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Bien, la profondeur. Süle, qui a de la liberté. Il tente de la jouer dans l'espace. Benzema. Süle. Sané, qui a déjà pris le pas sur la défense. La faute. Même pour lui, c'est un peu loin. Ça m'étonnerait qu'il la tente direct. On attendait un arrêt de jeu, le changement va pouvoir avoir lieu. Il quitte le terrain, applaudi par tout un stade. Quel match il a fait! C'est un public de connaisseurs, il salue sa sortie comme il se doit. Magnifique parade, le danger est écarté. Il avait bien jugé la trajectoire et en plus derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Toni Kroos. Ballon en profondeur vers Benzema. J'imagine que c'est une consigne du coach, ces petites passes courtes. Ça permet de garder la possession du ballon. Et c'est visiblement ce qu'il recherche. Ils sont patients.
patient dans la construction, mais il faut faire la différence. Oh, Lewandowski. La longue passe. Dans le dos. Bonne intervention. Il a stoppé l'attaque adverse. En la profondeur, bien vu. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. C'est bien, la passe à 10. Il faut essayer d'être plus dangereux. Encore une passe mal assurée. Il faut être plus précis. C'est bien donné. Sergio Ramos. On ne sent pas vraiment les attaquants concernés par le repli défensif. Non, mais à mon avis, ils ont surtout envie de jouer le contre. Oui, ça se tient. Dans la profondeur. Et c'est intercepté. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Allez, l'heure n'est plus au calcul. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Bon service dans la profondeur. Peut-être une occasion pour Hazard. Peut-être une occasion pour Toni Kroos. L'interception, bien joué. Et le ballon continue de lui coller au pied. Le ballon dans la profondeur. Il a du champ sur le côté. Là, il a préféré jouer la sécurité. Müller. C'est joué dans l'espace. C'est bien fait, ça. Il y a peut-être un coup à jouer. Seul face au gardien. Quelle occasion, attention! Il marque! Il creuse les gardes, ils ont maintenant deux buts d'avance! Et vu la situation, c'était obligé de se terminer comme ça. Oh là là, c'est pas bon signe quand on encaisse un but comme ça. Il faut boucher les trous, et vite! Le Bayern Munich qui effectue un changement. Ah, devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. C'est reparti sur ce score de 2-0. Alors là, c'est un but qui fait du bien. À 2-0, ils peuvent voir venir. Et ils vont effectuer cette touche. C'est Costa qui... La tête ! Ils sont passés tout près du 3-0. Aïe, 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 ils auraient pu tuer le match. C'est presque impossible de remonter 3 buts de retard. C'est donc un double changement, un par équipe. Toni Kroos. C'est joué long. Ça sent la frappe. Toni Kroos. C'est bien donné. Il cherche la profondeur. Il est bien placé. C'est joué dans la profondeur. Le bon dribble. C'est joué long. Bien servi. Il peut frapper. Un joueur démarqué comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Le tir était bon, mais saluons la passe. On sent que ça a été bossé à l'entraînement, ça. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Toni Kroos. Casemiro. Toni Kroos. Bonne lecture de la trajectoire. Ça joue long vers l'avant. Dans la profondeur. Ça joue. Voilà, un coup franc intéressant. C'est une vraie occasion. Il peut décider de tenter sa chance. Voilà une zone du terrain qu'il aime bien. C'est de là qu'il a ouvert le score tout à l'heure. Le gardien a sans doute été masqué par sa
sa défense et il n'avait plus le temps de réagir. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Ils sont dans un gros temps fort. Attention, ça pourrait faire très très mal. Coup de sifflet de l'arbitre, le match est fini. On l'a senti dès le début de la rencontre. Ils étaient là aujourd'hui pour attaquer, pour marquer, pour faire une vraie différence. Ils y sont parvenus avec maestria. Bon, Darren, votre analyse sur cette rencontre? C'est sûr qu'en marquant si tôt dans le match, ils ont fait le plein de confiance. Clairement, la victoire ne pouvait pas leur échapper aujourd'hui. Merci Darren de nous avoir éclairé tout au long de cette rencontre. Très belle soirée à tous. À très bientôt, salut. C'est toujours un plaisir partagé.